Alors, ce n'est que ça Kinshasa Sound. On peut dire que c'est parmi les seuls studios qui sont un peu en train de promouvoir la culture urbaine et tout on fait ici. Parfois dedans on installe un room, on installe des claviers, on peut faire même parfois un peu de live. Yes. Mais la plupart des choses que nous faisons c'est toujours en programmation. Yes. Alors, nous on fonctionne avec une carte son. Yes. Déjà là on a une Focusrite, des M Audio comme BAF. Déjà, quand vous arrivez ici à Kinshasa, il n'y a même pas un seul magasin où ils vendent ça. Ouais. Donc tout on doit importer parce qu'on a dû faire des recherches pour savoir c'est quoi qu'il faut, c'est quoi qui fait bien le son et tout. Et tout. Ça c'est la petite cabine où on enregistre. Ok, nice. Voilà ça. Ça fonctionne super bien. Franchement, on a beau choisir de travailler avec n'importe quel type de logiciel. Le plus important, c'est ce qu'on fait avec. C'est le résultat qui compte. Franchement, peu importe le logiciel que vous avez utilisé. Une fois que le truc, il est. Ça, c'est un plaisir en tout cas. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Il y a une fille déjà que vous avez trouvée dehors. Oui, la rappeuse. Ouais, Hercel Gloss. Hercel Gloss. Alors. Parce que ça c'est quelque chose, parce que si tu suis la tendance exactement, tu disparais avec. Oui, c'est ça. Mais si tu imposes une partie de la source africaine, quand la tendance disparaît, tu seras toujours là. Je suis là. Benga Kapiamba, pardon. Kapiamba. Kapiamba, c'est lui. Obama. Yeah.
journée, ça va aller. On a bon journée, ça va aller.